vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité très spécial, Papsan. Annyeonghaseyo. Voilà, vous avez été compris, plus besoin de le présenter, ça suffit. Voilà, le coréen. Comment tu te présentes? Bah, je me présente comme créateur de contenu basé en Corée. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi il est ici et pourquoi je l'apprécie tant dans son contenu. On s'est connus grâce à ça, hein? Bah oui, ouais. On s'est rencontrés en Corée. Ouais, c'était trop bien, c'était il y a 2 ans. Incroyable. Alors, le concept aujourd'hui, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, on va manger spicy en répondant à des questions très spicy. Vous êtes pas prêts? Qui commence? Bah à toi l'honneur. Donc attends, là on doit mettre de la... Ok, attends, je te présente la sauce. Ouais, ok, je vais. Alors, du coup, nous avons notre première sauce, qui est la classique hot sauce. Et donc celle-ci, sur l'échelle de... Scoville. Ouais, Scoville. On est à 1600. Mais c'est 1600 quoi? 1600 de Scoville. Ouais, mais ça va... Enfin, c'est quoi? Je sais pas, tu me poses trop de questions là. Non, mais je sais pas jusqu'à combien c'est. Ok. Mais genre, c'est millions. Ah, 1600. Ça va jusqu'en millions, Scoville? Oui. Ok, bah 1600, calme. Ça va. Ok, on est vraiment d'accord? Vas-y. On n'est pas des peureux. Ouais. Non, oh, là t'as abusé. Mais quoi? Mais t'as abusé. Mais c'est bon. Toi tu m'invites à manger des trucs épicés, faut assumer. Mais c'est vrai qu'en vrai je fais le mec, mais je suis un peu anxieux. Non, parce que je mange épicé, mais bah, en Corée quoi, les trucs épicés de Corée, mais ça va. En Corée pas. Ça va. Non justement, si t'as fait en oui, Corée, ça mange ça en devrait Corée. Aller. Ça va. C'est ça que je me dis, ça devrait parce aller. Parce qu'en Corée parfois c'est. Ça ou en Thaïlande. Ouais. Ok, donc on croque et je te pose la question. Ça va. Ça va, mais ça pique un peu non? Ouais, ça pique. Ah t'as peur. Je pense à la suite. Moi je pensais que ça piquait pas du tout ça. Le concept c'est que ça pique. Mais dès le début? Bah oui. Quelle est la chose la plus gênante qui t'est arrivée en live? Faut savoir que ce mec live 7 heures par jour, il est complètement taré. Et à chaque fois je vois que t'arrives des dingueries. Je ouais. Me dis mais c'est pas possible. Donc je pense que t'as au moins une anecdote, tu vois. L'anecdote la plus gênante? C'est chaud, c'est chaud. Tu me fais trop peur. Attends, faut que je trouve une moi. Et tu me fais peur, c'est quoi? En fait j'étais vraiment en Thaïlande. En vrai de vrai, faut t'allaiter à Ouais. En live. Moi je voulais juste jouer à puissance 4. Tu sais, parce que. J'ai l'impression qu'on me fait. Tu sais, quoi, je suis dans un cauchemar, tu sais. Il n'a aucun sens. Mais c'est horrible, mais là, c'est une histoire grave, c'est plus une histoire géante. Ouais, je me suis dit, ouais, bah, raconter une histoire drôle. Bah, du coup, on peut plus rigoler, là. C'est grave. Moi, j'ai un souvenir de toi. Quoi? J'ai vu un extrait. Tu fais une tête horrible, t'es en train de. T'es à Séoul. Ah! Et les gens, ils te voient. Ah, si, ça, ouais, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Ouais, c'est ça, je ah! Ça, j'étais mal à l'aise, c'est vrai. Ah! Sorry. T'oublies qu'il y a des gens qui regardent, il y a des Il y a des vrais humains autour quoi. Mm. Et du coup je dis des trucs ou je fais des trucs gênants quoi. Mais qui mettent mal à l'aise. Ok. Bon bah on a eu plein d'anecdotes, c'est encore mieux. Ouais, trois. Trois pour le prix. Non. Deuxième sauce, unit garlic. J'espère que t'as pas un date après, sinon c'est chaud. Attends, je vais te dire sur combien c'est. Tu vas me dire c'est à 4000 quoi. Ah non, c'est la seule que j'ai pas. Ah, vas-y, encore mieux. On oublie ce passage. Deux, genre un croc comme ça. Comme ça. Voilà, parfait. Ouais, pique elle. Elle a l'odeur du piment. Ouais, mais... Ouais, elle est pique elle. Ouais, pique hein. Elle est pique un peu. Ça pique là. Eh, mais on est dans la merde, d'ailleurs. Mais tu sais ou pas? Ça pique. Ouais, ça pique un peu. Ouais. Mais elle me dégoûte. Pourquoi c'est passé de ça à ça, genre d'un coup? Elle est pas très bonne, mais elle arrache un peu. Ouais. Ah, mais ça pique un peu, hein. Ça pique en fait. Si tu pouvais échanger ta place avec une autre influenceuse lifestyle, ce serait qui? Oh my god. Je vais commencer à boire. Mais là, tu crois, il croit qu'on fait les acteurs. Eh, hey, mais en fait, à la fin de la vidéo, je vais baver en fait. Eh, hey, mais on est cool ou quoi? Non. Ah putain, c'est une trop bonne question. Eh, hey, c'est quand qu'on boit du lait? Quand tu veux. T'attendais mon Non, hey, le premier qui boit du lait, il a perdu. J'ai déjà bu. Eh, hey, comme il est doux le lait. Avec qui j'échangerai ma vie? En fait, il y a des gens, j'aime trop leur contenu. Ok, je vais dire un truc horrible, ça me met mal. Mais genre, je les aime pas forcément. Ok. Personnellement. Mais t'aimes leur contenu? Mais j'aime leur contenu. Bah, dis les termes, dis les termes, il faut me dire. Il y a des gens, j'aime pas forcément leur contenu, mais personnellement, je les adore. Ok. Donc, du coup, je sais pas s'il y a quelqu'un. Je ne sais pas quoi répondre. Genre, c'est même pas, j'ose pas dire, je ne sais pas quoi répondre. T'es sûr, tu parles pas chinois plutôt là? Je te jure que je sais pas qui répond. Attends, je réfléchis. Donc, ceci est une fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Mettez un like, un commentaire et abonnez-vous. En gros, ma réponse, je veux pas que ça fasse genre autant, mais genre je suis trop... J'ai la meilleure vie, je suis la meilleure non. Personne en fait. Oh, c'est pas ça. Genre, je suis grave contente de mon contenu et j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu le même contenu que moi, tu vois. Je suis grave contente de ma vie, non c'est horrible de répondre ça, c'est trop nul, c'est trop nul. Ouais, c'est rincé. C'est nul à chier. C'est trop gaze. Mais c'est la vérité. Sa réponse, elle est trop gaze. Avec qui je veux échanger ma vie, je sais pas.
Sinon, une influenceuse américaine, je sais. Qui? Valérie Lipovetsky, elle s'appelle. C'est une meuf qui a genre... une meuf qui venait du Canada et qui habite à Miami maintenant. Je sais pas, sa vie, elle a l'air trop paisible, trop cool. Trop lourd. Ouais. Ouais. Bah voilà ma réponse. Alors celle-ci... Eh, on met un peu, hein. Ouais, on est à 4000. Ok, 4000 c'est au calme, je pense. Tu en mets plus, je suis sûre. Non, je te jure que non, je suis pas un bébé. Ok, ça va. Au pire, de toute façon, j'ai aucun intérêt à faire ça parce que tu vas te venger après, avec tes pires. C'est vrai. Donc, on croque. On croque. Ça va. En vrai, pique-moi, tant mieux, ça m'arrange. Parce que l'autre, là, c'est trop... Ah non, merde, ah, c'est à moi. Quelle a été ta plus grosse sauce? Oh la question! Bah moi en fait, la plus grosse sauce que j'ai eue, c'est celle-ci là. C'est la Apollo The Last Dab. Bah c'est l'année dernière je crois. C'est quand j'étais en live et devant moi il y avait une sportive on va dire. Ouais. Ils ont une sportive. Mais elle était loin hein. Bah elle avait le postérieur un peu développé. Et dans le chat, les gens qui me regardent, ils disent oh, ralenti, pas ralenti. Et moi quand je suis un peu bête, et j'aime bien faire de l'humour mais ce moment c'était bête. Et bah j'ai dit mais de quoi vous parlez les gars, je comprends pas pourquoi vous êtes ralenti. J'ai ralenti. Mais j'ai fait le mec, je comprenais pas en fait. Et après j'ai dit non mais les gars, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? 100% vrai. Et ça non mais est-ce que c'est vrai genre t'avais pas capté? Ah non mais bien sûr je l'ai capté. Mais je faisais exprès de pas avoir capté. Ah okay. Bah oui, c'est moi qui suis bête. Pour que après il rigole en mode ah il est trop con, okay. Il avait pas capté. Okay. Et après bon ça a duré peut-être je sais pas 20 secondes peut-être. Okay. Et puis après j'ai avancé au niveau du truc pour traverser et je dis non les gars vous êtes trop con, je suis parti. Mais tu connais bon bref ils ont fait des cuts certains je sais pas qui c'est, ils ont fait des cuts et ils ont enlevé les moments où je pars en fait. Où je parle du sur un autre trottoir. Okay. Et où j'explique qu'ils sont cons et que c'est. Okay. Voilà quoi. Ils ont utilisé le contenu, genre. Ouais, en mode full hors contexte. On prend 20 secondes de la vie d'un humain, on peut le mettre dans la sauce. Ouais. C'est mais obligé. Du coup, les gens ils disaient quoi? Parce que ça c'est ton truc. Non, les gens ils disaient quoi? Ils disaient que je suis un harceleur. Exagération au max, je filmais harceleur. Mais tu regrettes ou pas? Bah évidemment, je regrette. Okay. Je regrette parce que c'était. Même si c'était sur ton humour et personne n'a été blessé, pas même cette personne-là, bien évidemment. Parce que je fais toujours très attention aux gens. Tu regrettes d'avoir fait passer ce message en plus. Bah ouais, parce que je me dis putain c'est con, 99% de mes streams c'est que des messages positifs, et sur un moment on va prendre 20 secondes et ça va tout gâcher. Ouais. C'est comme ça, et puis aussi je débutais dans les streams, ça permet d'apprendre aussi les choses. Bah, oui. Ok, prochaine sauce. C'est celle-là. Ouais. Micro-saucerie. Toi, tu m'as allumé avec ta question là. Quoi? C'est incroyable. On était dans le salon tout à l'heure. Ouais, t'inquiète, des questions sympas. Bah elle est sympa, non? Si tu veux que je te pose des vraies questions pas sympas, je peux le faire parce que j'en ai. Bah fais. Pourquoi on doit manger d'abord. On doit manger. On doit manger. Donc, on passe de... Là, on est à 4000, 15000. Tu peux pas te doser toi? Tu peux pas passer de genre 1000 à 2000? C'est pas moi qui le fais. Mais j'en peux plus par contre, c'est quoi ça? Ouais, mais non, mais parce que. T'exagères de fou toi. Regardez elle, c'est trop une vieille meuf, elle en met juste un peu. Envoie toute la sauce. Ok, bah c'est moi qui dose le tien. Tout ça pour que ça coule à côté. Non, mais t'abuses, non, t'as trop mis là. Tu te fous de ma gueule? Il y en a 400 fois plus. Non, mais. Non, non, c'est bon. Ah non, je suis désolée, moi je peux pas. Je peux pas jouer comme ça. Elle est méchante, elle. On va crever là, je sens. Là, je commence à avoir peur. Ouais, là, je sens que c'est une mauvaise idée en fait. Ça va là? On me dit, je crois que tu t'es trompé. C'est impossible parce que la deuxième, elle pique trop. Je te jure que c'est ça. Comme par hasard, la seule sauce que tu connais pas le nombre de Scoville, c'est celle qui pique le plus. C'est chelou. Vrai. C'est vraiment chelou. Hein. Question bien intéressante qui va faire plaisir au public français. Hein. Quel est l'objet de luxe le plus cher que tu as acheté? Et il a coûté combien, bien évidemment? Parce que sinon, c'est pas drôle. Tu peux nous dire ou il y aura des TikTok? Non mais je vais le dire, j'ai pas acheté de maison hein. Bah le truc le plus cher que j'ai acheté, c'est mon sac Chanel. Franchement j'ai limite honte de le dire parce que déjà ça les vaut pas. Genre j'adore Chanel, j'adore et... Vous avez vu comment elle se justifie, c'est incroyable. Ah non mais ça les vaut pas. Non franchement les gens ils sont trop gentils mais ils savent très bien qu'ils ont participé à... Bah oui évidemment, c'est grâce à eux. C'est pas du tout négatif, juste j'ai jamais eu de l'argent pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre quand j'étais étudiante et tout j'avais rien, pas d'argent, rien. Donc forcément ça limite ça me gêne de parler de monde comme ça parce que... Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que c'est pas normal. Et ça je veux jamais, au grand jamais, même dans 10 ans sur YouTube, même s'il se passe des dingueries, j'en sais rien, je veux jamais que ce soit normal de parler de trucs comme ça. De dire genre c'est ok d'avoir ça. Ouais c'est ok d'avoir un sac à 5000 euros quoi. Bah c'est un peu plus. Je sais que maintenant ils sont genre quasiment à 11000 euros. Je crois que je l'ai eu à 8500, un truc comme ça. Ouais ok. C'est mon sac Chanel, je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai. Mais tu dois être fière quand même, en vrai. Ah mais je suis trop fière. Tu peux être trop fière de pouvoir t'offrir ça. Ah non mais je suis trop fière parce que c'était vraiment le sac de mes rêves. Et quand je te dis que genre c'est sincère, jamais de la vie j'aurais pu penser que j'aurais pu avoir ça comme ça tu vois. Bah surtout à ton âge. Mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Genre je me disais si ça se trouve quand j'aurai 50 ans je pourrais pas me l'acheter non plus. Tu vois qui a exact. Genre 9000 euros entre guillemets à dépenser genre dans quel sac. Dans quelle vie tu peux te dépenser cet argent genre.
genre pour moi c'est... Je crois que je viens de trop loin pour comprendre ce genre de truc. Okay. Mais en gros j'avais fait une pub à la télé. Et c'est avec cet argent là que j'avais acheté le sac. Ah incroyable. Ouais. Bah tu le mérites. C'est vrai. Tu le mérites, c'est bien. Merci. Tu peux être fier de toi. C'est gentil. On passe à la numéro 5, Los Calientes. Du coup là on est à 15 000, on passe à 33 000. Oh seigneur. Viens, on en met beaucoup là. Ouais, parce que ça pique pas assez. Ouais, on arrache ça là. Ah ouais. Non par contre, non, je te jure je suis pas un gamin. Je vais faire pareil. Oh ouais, mais attends, t'es abusé là. Il y en a beaucoup même pour moi. Donc c'est genre barbecue. Elle est trop bonne cette sauce. Ouais. Incroyable. Ça commence. Ouais, ça commence un petit peu quand même. Mais ça va, je pense que je peux tenir ça si. En fait, je pense que la deuxième, elle nous a trop choqués. Ça commence. En couple, quelle mentalité préfères-tu entre les françaises et les coréennes? Oh, la question! Parce qu'il faut savoir quand même que tu fais des lives en Corée, tu fais des lives en France. Et je pense que c'est grave intéressant parce que je peux dire que t'es déjà sortie avec une coréenne. Oui. Et sûrement avec une française, je suppose. Dis-nous! Parce que c'est grave différent en Corée. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a plein de choses différentes. Déjà, quand tu vas en Corée, c'est un truc de ouf, il y a que des couples. Ouais, rien à voir, rien à voir. Que des couples, ils s'habillent genre matchy-matchy, ils se tiennent la main. C'est vrai. C'est un truc de fou, donc c'est grave différent. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, ce que je préfère. Déjà, pour moi, les Françaises, elles sont moins jalouses. Ah ouais? En Corée, c'est un truc de fou? Ouais. Les Françaises, je généralise, bien évidemment. Mmh. Toutes les Coréennes ne sont pas, toutes les Françaises sont pas. On l'a compris. Mmh. Elles vont te laisser avoir des amis du sexe opposé. Ok, en Corée, non? Les Coréennes, ouais, c'est chaud. Ah c'est ouais? Chaud, ouais, c'est chaud. Mais parce qu'il n'y a pas une histoire de... Apparemment, les Coréens trompent de malades. Faut dire les termes. Hein. Les hommes, de manière globale. J'avoue qu'en Corée, ils trompent, mais en France aussi, hein. C'est pareil. Quoi? Ça dépend qui? Non mais oui, je ne mettrais pas Jérémy dans une position indélicate. Même si t'as pas raconté quand on était à Séoul. Et maintenant au niveau des Coréennes, je dirais qu'elles sont plus attentionnées. Elles vont t'écrire des lettres, elles pourraient t'offrir des fleurs, elles pourraient acheter des habits qui sont les mêmes. Okay. Oui, des trucs mignons, plein d'attention mignonne. Tu sais, il n'y a pas cette mentalité hiérarchique bizarre un peu là. Et sinon ce que je préfère au final, tu sais quoi, je vais utiliser la carte piège. Je vais dire française. Parce qu'en fait dans les françaises, il y a tout dedans tu vois. Et toutes les cultures, toutes les origines, tout ça. Donc en vrai, c'est vrai, hein, c'est à ce niveau-là. Il y a plus d'ethnies différentes, mm-hmm. Et du coup, forcément, il y a plus de diversité, quoi. Ok. Ouais. Ça, c'est la sauce Fly by Jing. Mais tu sais que je crois qu'elle est pas trop hardcore. Faut en mettre beaucoup. Là, on était à 33 000, pour rappel. On passe à 46. Ça va. Ça devrait aller. Ça va. Mais ça, en fait, c'est une huile. On va grossir instantanément. Qui pense à ça? Ah, moi. Ah ouais? Ouais. Parce que j'aime bien manger, mais je... Non, mais faut en mettre plus, je pense. Vraiment, ça pique pas. Dans mes souvenirs, c'est celle-ci, elle pique pas beaucoup. Ça va, non? Quoi? Ça va, là? Tu m'as dit qu'il fallait en mettre beaucoup. Oui, mais j'ai comme toi. 3, 2, 1... C'est après, c'est celle-là que c'est après. En tout cas, elle est incroyable. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Tu sens après? Oui, ça vient après celle-là. Ouais, c'est doucement. Depuis que tu as percé, tu as forcément un max de DM de garçons. Comment tu fais pour gérer ça avec ton copain? C'est Jérémy qui t'a dit de poser ça? Non. Ah ouais? Je te jure que c'est moi. Et est-ce que t'as déjà failli craquer? Elle est plus spicy que la sauce, la question. Je vais grave t'étonner. Il y a vraiment que des meufs qui me suivent. Ah, du coup, t'as pas beaucoup de DM de garçons? Alors j'ai. En vrai, j'en ai de plus en plus. Bah oui. Genre, j'en avais quand même moins avant. T'as raison, elle pique après celle-là. Ouais, là, c'est dans la gorge, elle là, tu sens. Elle est grave sournoise, elle cette est... sauce. Ouais, j'en ai plus qu'avant. Après, j'en ai pas des milliers par milliers. En vrai, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais ah genre, ouais, t'as jamais vu quelqu'un d'aussi fermé de ta vie? Vraiment, ça me fait ni ça te fait rien, chaud quoi, ni froid. Même si le gars, il est rien à... tout. Rien à foutre. Je sais pas, en fait, je pense que j'ai un problème parce que parfois, j'en parle avec des copines, tu vois. Et genre, ça me fait rien. Ah bon? Genre, quand je suis en couple, vraiment, genre là, Jérémy, je peux pas regarder un autre mec. Enfin, je peux regarder un autre mec, mais je le regarde pas du tout. Ouais, je vois. Genre, t'as aucune attirance en fait. Ouais, en fait, je suis en couple, je suis fermée à tout jamais aux gens. C'est trop bien, je trouve, que t'aies gardé la tête froide avec les années. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit depuis que t'as percé, parce que forcément, la vie elle a changé. C'est plus comme avant. Tu te rends compte que t'as peut-être plus de succès, t'as plus confiance en toi. Mmh, et le fait que ça te fasse ni chaud ni froid, franchement. Ouais, franchement, ça me fait rien. Non, franchement, c'est pas. Franchement, c'est excellent. Même parfois, il y a des youtubeurs et tout. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a plus d'influenceurs que de mecs. Genre, mec lambda. Non, je pense qu'il y a un mec et personne va deviner. Essayez pas de faire des théories et mettre partout. Vous ne saurez pas, c'est impossible, vous pouvez pas savoir. Il y a trop de mecs. Mais il y a un mec que je pourrais genre éteindre. Tu peux me dire ou pas? Mais hors la vidéo. Les autres, c'est des petits DM. Ouais, c'est rien de ouf quoi. Ouais. Juste un bonjour, salut. Ouais, voilà. Bah merci d'avoir répondu. Je le ferai jamais. Okay. J'éteindrai jamais. Mais ça se voit. Vraiment, j'aime pas la haine. Hot sauce with scotch, bonnet,
Carolina Reaper, Turmeric, Root, Ginger, bon bref. 69 000. Ça se voit qu'elle pique. On commence à monter là. Parce que je connais Carolina Reaper, c'est un truc qui arrache. Je t'en mets beaucoup, hein. Ça suffit les bêtises là. Ok. On est où là? Ça va là? Quoi? Non. Non, je suis vraiment scammer. Ouais. Là, t'as pas abusé là. On est dans la. Ah, ça va être horrible. Ah, on est dans la. Vas-y, à toi. Ça pique. En parlant d'influence, ça marche la gueule. Ouais, ça pique, hein. Je suis la meuf, mais ça marche la gueule. Ouais, ça commence à piquer là. As-tu déjà eu des mauvaises expériences dans l'influence? Bah oui. Bah oui. Bah dis-nous. Bah oui. Ça pique un peu là. Ouais, ça pique. J'ai les lèvres qui me brûlent, la gorge, la langue. En plus, j'ai plus de lait. Oh mon dieu. J'adore. En quoi? J'ai plus de lait. Ah. Ah. Du coup, mauvaise expérience de l'influence, oui, j'en ai déjà eu. Influenceurs où, en fait, ils n'ont pas leur vrai visage. Parce qu'à chaque fois dans la vraie vie, tu vois, je les rencontre et tout, j'ai l'impression qu'ils sont gentils pour de vrai. Et puis en fait, dès qu'il y a des petits problèmes, on voit vraiment comment ils sont. Ils disent des choses devant les gens, alors qu'on se connaît dans la vraie vie en fait. Ou sinon aussi des trucs avec des marques qui demandent trop de livrables, alors que de base c'était pas ça. Les livrables, c'est. Des trucs à faire en par gros. Par exemple, tu fais deux stories, un post, voilà. Une vidéo YouTube. Et du coup, bah moi, ok, ça me dérange pas, je vais le faire. Parce que quand il faut donner l'argent pour. Comment on appelle ça là? Eh, ça pique de ouf, hein. T'as vu, on arrive plus à réfléchir. Quand il faut rembourser les frais avancés là. Ouais. Comment on appelle ça, j'ai oublié. Défrayé, ok. Et ben ça prend du temps à rembourser. Et du coup c'est chiant. Et au final, dès que j'ai le ça c'est vraiment vidéo sauce aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Et ben ils ont dit, ah ouais non en fait, on veut pas, on travaille pas avec, avec des méchants, entre guillemets, et on arrête tout. Mais attends, les gens qui se connaissent pas, ils vont croire que t'es archi problématique là. Mais oui, alors je suis gentil. Bah oui, je comprends. Si c'était le cas, ils m'auraient pas invité, sachez-le les amis. Et encore une fois, en fait, non, j'en parle comme c'était grave, mais c'est juste une minorité. Ah ouais ouais. Bah donc t'as déjà eu des petites mauvaises expériences. Ouais, dans l'influence un peu quand même. Hein. Mais toi aussi sans doute. Hein. Mais il est toujours cool aussi. Évidemment, c'est ça que comme dans tout. La suite, t'es prêt? Il en reste 3. Ouais, mais ça pique là. Ouais, mais c'est le jeu. Cosmo, hey, elle est belle cette sauce. T'as vu? On passe à un autre level. 100 000. Exactement. 103 000. Let's go, les amis, c'est parti. Ah, je te. Non, là t'as abusé. Non, mais t'es sérieux? Fais pas le mec comme si de rien n'était, tu sais que t'as abusé. Abuse encore plus sur toi. Mais ça me fait mal, Andy. Attends, mais t'as vu la quantité que t'as mis? Non, 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 t'en as mis. Mais je te jure, t'as mais mis. Mais t'es sérieuse, toi? C'est un dingue parce que dans toutes les vidéos comme ça, je suis en train de rager sur la personne qui fait la sauce. Ah, ok, oui, c'est une abuseuse, elle. Ça pique. Tu sais que mon ventre, il commence à me piquer, moi. Genre, mon estomac, il fait des trucs bizarres, là. Ça va pas? Plus que dans ma bouche. Hein. Genre, vraiment, dans mon estomac, ça commence à être bizarre, je te mens pas. Je dis la vérité. Ça me pique ma mère. Je pense que demain matin, on va faire utiliser un peu de desktop quoi. Du coup, c'est à moi maintenant, c'est ça? Vas-y, je suis pas bien. Jérémy et toi adorez la Corée. Pourquoi t'y vis pas en fait? Je comprends pas. Mais ça va bien. Moi aussi. Hein. Je vais cracher partout là. Non, il faut pas cracher. Ah non, je me sens mal. Tu sais que t'as des veines un peu sur le. Ah, je suis pas bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien dans la bouche, mais je vais te cracher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On dirait une limace. J'ai grave chaud. Non, arrête. Ça pique de ouf. Tes yeux. Eh, hey, mon nez coule ou quoi? Non, je suis pas bien. Ah. Ah. C'est pas dangereux pour la santé, ça? En vrai de vrai? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Pourquoi tu vis pas en Corée? En quand vrai, t'es là-bas, on dirait que t'habites là-bas, genre. Tu vas pas en vacances, chelou. On dirait que, mais même les gens me disent, ils me disent, on dit t'es pas, t'es une autre personne là-bas. Ouais, on dirait que t'habites là-bas, t'es trop heureuse. Genre, je suis trop heureuse. C'est la première fois que je te vois en France, c'était grave aigri. Oh! Je rêve et je sais pertinemment que je vais habiter soit à Tokyo, soit à Séoul. Ouais, mais quand? C'est la question. Je sais que j'irai, mais je sais que j'irai pas, genre, dans les 1, 2, 3 ans à venir. Pourquoi? J'ai tout ici. T'as quoi? En vrai, j'ai rien. Bah, alors. J'ai aucune attache. Mais. Bah, vite, aucune attache. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas mon timing encore. C'est parce que t'as peur du changement. Moi j'ai peur du changement, je crois que tu me connais pas. Genre j'aime trop le changement, au contraire je supporte pas les trucs qui stagnent. Normalement je déménage tous les ans, genre... Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc de fou. J'ai un problème avec la routine. Mais c'est incroyable. J'y arrive pas. C'est complètement incroyable ça. Pourquoi? Non, c'est ironique, j'en étais sûre. Je crois que je préfère y aller genre longtemps, tous les ans. Genre en mode un mois, deux mois comme je fais d'habitude. Plutôt que d'y vivre tout de suite. Et quand je me sentirais genre en mode prête, mais sûr, j'y habiterais, genre c'est la même question. Moi j'ai ça pique là. Ah, tu sais, j'ai mal à la tête carrément. Ça va mieux. T'as vu? Je rêve ou c'est du lait bio? Bah, je sais pas, ouais, pourquoi? Non, mais je rêve ou c'est du lait amande grillée Nutri-Score B. Et alors? Il est tellement premier degré.
L'avant-dernière. Attends, on l'a déjà faite, mais celle-là? Mais non, ouais, on l'a faite, celle-là. Mais tu tiens bien, hein. Je suis étonnée. Ouais, moi aussi je suis étonnée là. Carrément, elle est même pas belle. Ça veut dire que ça, c'est vraiment une chose pour abattre. Donc elle, elle était à 103 000. Celle-ci, 135. Non, mais carrément, il y a écrit warning, this sauce is extremely hot. C'est le principe. Il y a écrit warning derrière. T'inquiète, ça va aller. Non, soit non, on dit soit gentil, s'il te plaît. Ça coule pas. Non, je te jure, là, sur ma vie, ça suffit. Je te jure que non. Non, c'est bon. Non, ah, sur ma vie, j'en ai plus. T'es folle ou quoi? J'en ai. T'en as plus, j'en ai moins. Tu sais. Vas-y. Ok, écoute-toi, s'il te plaît. Hein? Et. Quoi? Bah. Quoi? Je te jure, dans ma tête, j'ai prié. Bombastic side. J'ai pas envie que ça pique trop. Ça pique. Pose la question, s'il te plaît. Moi, je t'ai connu sur YouTube. Ouh, ça pique. Oui, ça pique. Hein. T'as un peu déserté YouTube là. T'es vachement sur Twitch. Est-ce que ce serait pas parce que tu gagnes plus d'argent sur Twitch? Sincèrement, oui. Je gagne plus d'argent sur Twitch que je gagnais sur YouTube. Et je prends aussi plus de plaisir à faire des lives qu'à faire des vidéos. C'est des moments de vie. Il n'y a pas de cut. Je peux voyager. Je suis en train de faire le tour du monde là, en live. Et les gens me suivent en même temps. C'est quand même incroyable. Ouais. Et en plus de ça, moi, j'adore Twitch. J'adore cette plateforme. Elle est trop fun. La communauté Twitch. C'est vrai que je gagne beaucoup plus d'argent sur Twitch que j'en gagnais sur YouTube. Et forcément, ça a eu un impact sur ma décision. Tu comptes refaire des vidéos vraiment? Oui. Yeah. Oh, comment ça pique! Ça fait un pic d'un. Oh mon dieu, ça pique de ouf! Eh, carrément, je transpire tellement que j'ai envie de montrer ma calvitie là. Dernière. Et celle-ci. Pour te dire, celle-ci, on était à 130. Celle-ci, elle est à plus d'un million. Tu fais ça. Mais tu sais que là je suis pas normal, genre. C'est... Moi là c'est comme si j'avais pas dormi pendant 24 heures. Je te mens pas. Ouais, t'as vu ça. J'ai le même sentiment, c'est trop. Ton état, il se... genre, t'avais c'est trop raison, bizarre. T'avais raison, il se dégrade. Tu veux que je l'ouvre? Non, c'est bon. Désolé. T'as de la force, hein. T'aurais pu prouver ta force. Ma masculinité. Moi parfois j'ai fait ça avec Jérémy. C'est-à-dire? Je lui laisse ouvrir des trucs. Pour lui prouver que. Pour lui faire plaisir. Non, j'avoue, je mens. J'arrive jamais à rien à ouvrir. Ah, c'est dingue. Mais en fait, quand je lui demande, je sais. Et nous les garçons, mais... on est trop facilement sociables. Genre, je sais que ça lui fait plaisir. Quand c'est pour ouvrir des pots, il y a tout le monde. Mais quand c'est pour faire la vaisselle, il n'y a plus personne. Hein. Exactement. Hein. Mais tu m'en as mis beaucoup, putain. Non, j'ai mis pareil. Respire, ça va bien se passer. C'est le dernier morceau. 3, 2, 1. Je savais. Oh là, oh. Regarde, j'ai fait la même chose que toi. Comment t'as suivi? T'as le haki de l'observation? Ouais, je sais même pas ce que c'est. C'est un truc de Naruto? Non, One Piece. 3, 2, 1. Allez, alors. Ouais. D'un coup. Ah, ma gorge. Je te jure, tu devrais faire signer des papiers avant de tourner cette vidéo. Je te promets. Faut dire que je suis pas responsable. Je te jure, hein. Il pique bien. Bon, petite question pour votre youtubeuse préférée. Je suis pas bien là, moi. Oui, bah ouais, bah, bien fait pour toi. Chacun son tour. Je suis pas bien, je vais gerber. Vas-y. T'es sur tous les réseaux, toi. Ouais. YouTube, Instagram, TikTok. Donc la question, et la dernière du coup, de toutes tes communautés, quelle est celle que tu aimes le moins? En plus, là, je suis pas bien là. Oh là là, elle va pas réussir à répondre. Ah, comme par hasard. Celle que j'aime le plus. On procède par élimination. Ma communauté YouTube. Ah, c'est vrai? Mais bien évidemment. Ah, mais YouTube, c'est toute ma vie. YouTube, ils sont gentils. YouTube, les gens, ils sont trop gentils. Ouais, c'est toute ma vie. Ils sont vraiment sympas. Après, je mettrai Instagram, je pense. Ouais, c'est TikTok, tu les aimes pas. Non, c'est pas que je les aime pas. Ah, elles vous détestent, les gars. Non. Les filles, surtout. Elles vous Mes détestent. Abonnés, y a pas de problème. Mais TikTok, le problème, c'est que tu sais pas pourquoi. Tu vas poster un truc, ça va faire genre 1 million de vues. Et du coup, y a des gens qui te connaissent oui. pas, que tu connais pas, réel. Qui vont venir commenter. Et je pense que TikTok, je sais pas, c'est une théorie, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de plus jeunes qui commentent vraiment en mode. Sans réfléchir. En genre. Mode haine. Non, mais en vrai, je pense que c'est TikTok que j'aime le moins. Mais pas les gens qui me suivent, parce que tu vois, y a des gens qui commentent tout le temps mes TikTok et tout, ils ouais. sont trop gentils. Mais je pense que c'est aussi. Parce que c'est le réseau que je développe le moins. Genre ça va beaucoup plus m'affecter d'avoir un mauvais commentaire sous une vidéo YouTube, qu'un TikTok avec genre 15 mauvais commentaires. Parce que je suis trop YouTube. Bon, ça allait ou ça allait pas du tout? Tu pensais que ça allait être comme ça ou pire ou moins? Alors, pire? Alors pour être tout à fait honnête avec toi, au niveau des questions, je m'attendais un peu à des questions un peu comme ça. Mais au niveau des sauces, je pensais pas que ça piquerait autant. Ah ouais? Ouais. Et ça te fatigue en fait, tout simplement ça te fatigue. Ouais. J'ai l'impression en plus, d'aller... l'éclairage. J'ai l'impression que la vidéo elle a duré 8 ans là. Mais je pense qu'elle a duré 8 ans hein. Ouais, ça a duré, hein. Ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. D'avoir été là, d'avoir répondu aux questions, d'avoir mangé ce facile, d'être venu jusqu'à chez moi. On peut te retrouver. Vous pouvez me retrouver sur Instagram parce que Twitch, ils vont pas venir. Bah.
Ils vont pas venir, je sais. Les gens de YouTube sont très frileux à Twitch. Ouais, j'avoue, moi j'ai même pas Twitch, je sais même pas comment ça marche. Tu vois la preuve. Vous pouvez me suivre sur Insta aussi. Ouais, n'hésitez pas à la follow sur Insta, elle a des belles photos. Et sur YouTube, on est bientôt 500 000 sur YouTube. C'est vrai? Ouais, c'est fou. Ouah, tu deviens. Oh, t'es big, 500K. Ah, tu fais trop genre. Sur ma vie que je suis honnête. 500 000, tu te rends compte ou pas? Non, c'est dingue. Mais c'est archi balèze, 500K. Non, mais genre c'est dingue. Bientôt il y aura le big gold button quelque part là. D'où on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao.